Bonjour à tous mes abonnés, c'est pour vous montrer, maintenant là, je passe au chapitre 4. Je vais vous montrer comment il est le chapitre 4. Et s'il vous plaît, si ça vous vraiment si ça vous intéresse, abonnez-vous sur ma chaîne Ender-du-bas PS4. C'est plus tellement mon style maintenant. Cool. Fais bien gaffe à tes arrières. Je suis prêt. Ah, il faut pas que je m'arrête. Dans le mille. Et bim. Et bam. Mange-toi ça. Allez, on y retourne. Je t'ai eu. Un vrai pro. Au revoir. Oh non, c'est pas vrai, je suis à sec. Allez, viens te battre. En pleine tronche. Adieu. J'ai pas perdu la main. Ouais, j'arrive tout de suite. Allez, fini la récré. C'est drôlement longtemps là-haut. En fait, je cherchais un truc. Oh, alors c'est comme ça qu'on dit maintenant? Non, je te jure. Et tu veux bien finir le repas? J'aimerais bien finir mon truc là. Ah oui, pas de problème. Super. Ben voilà. Voilà, c'est fait. Oh. T'as terminé? Ouais. Oh. Tu sais, c'est sûrement trop long et bourré de coquilles, mais les correcteurs sont là pour ça. Oh la vache, je meurs de faim. Je vois ça. Alors, une telle journée? Quoi? J'ai pas déchiffré. Oh, désolé, excuse-moi. Alors, et ta journée? Oh. C'était sympa, un jour comme les autres au paradis. J'ai sorti un paquet d'ordures de la rivière. Ouais. Alors t'as eu la chance de te baigner.
Et t'as eu des ordures intéressantes ? Oui, il y avait un truc pas mal. C'était un camion du début du 21e siècle. Superbe. Apparemment, les autochtones appellent ça un semi. Ouais. Non, c'est pas voilà. Vrai. Mais bon, rien de bien intéressant. Parle-moi de ton article. Eh ben, au début, j'étais censée rédiger un fait divers qui tournait autour du tourisme à Bangkok, mais je ne suis pas sûre que le magazine va aimer l'approche que j'ai choisie parce que, en arrivant là-bas, impossible de ne pas remarquer la grande intensité du nuage de pollution. C'est comme si tu le sentais directement entrer dans tes poumons dès la descente de l'avion. Alors, ça a pris une nouvelle tournure. Ah ! Quoi ? T'étais où ? Bah, là, agressé à la fourchette. Ouais, vraiment. Quoi ? Bah, allez, continue, c'était super intéressant. Ouais, c'est vrai. Et sur quoi porte mon article ? Quoi ? Celui-là. Tu sais, il porte sur la cité perdue de Bangkok. Non, pas de Bangkok. Des cités perdues près de Bangkok. À l'intérieur et tout autour de Bangkok. Waouh. Bon, ok, désolé. Non, c'était une belle tentative. Attends, j'étais c'était quand même vraiment... pas loin, avoue. Bah, t'étais complètement à côté de la plaque, alors tout est relatif. Jameson t'a encore parlé de ce boulot en Malaisie, hein ? Jameson me parle tout le temps de ce boulot en Malaisie. Écoute, Nate, moi, je pense vraiment que t'as tort de pas l'accepter. Tu sais, j'ai pas du tout envie de le faire. Je te jure, il a même pas les autorisations qu'il faut. Et on avait décidé qu'on allait plus jamais accepter ce genre de boulot. Je ça sais, vaut pas oui, la peine. Mais est-ce que c'est bien juste une question d'autorisation ? Franchement, ça a pas l'air si risqué. Laisse tomber. Tu pourrais appeler Sullivan. Tu l'as pas vu depuis bon, quoi ? Elena. Deux ans ? S'il te plaît, on peut parler d'autre chose ? D'accord, mais ce que je veux pas, c'est que tu refuses ce job à cause de si moi. Si je refuse ce job, c'est à cause de moi, ok ? J'apprécie le geste, mais le truc, c'est que... Bon, allez, je vais faire la vaisselle. Attends, je vais le faire. Je vais le faire, je te dis. Tu l'as fait hier soir. Non, t'as cuisiné, je nettoie, c'est normal. Ou alors, laisse-moi au moins essayer de mériter mon repas. Je sais pas, on pourrait peut-être... Et si on faisait une partie ? Tu veux jouer contre moi ? Ouais, mais ce petit jeu sur la télé, celui auquel tu joues tout le temps, je parie que je peux battre ton record. Tu crois que tu peux me battre à ce petit jeu sur la télé ? Non mais t'es malade ! Ouais, et je crois même que t'as peur. Mais arrête, tu sais même pas comment ça s'appelle ! Mais j'ai pas besoin de savoir comment ça s'appelle, je t'ai déjà vu jouer, il faut sauter, courir et t'avoueras que j'ai un talent inné pour ce genre de choses. Tu crois ça ? Alors, tu relèves le défi ou quoi, espèce de poule mouillée ? Ah ok, d'accord, je vois le genre. Ok, regarde et prends-en de la graine. J'en prends de la graine. Ça y est ? Non, ça charge, là. Ça charge ? Oui. J'aurais eu le temps d'aller me faire un café. Qu'est-ce que t'es impatient ? Je sais pas, mais quand j'allume un truc, j'aime bien que... Ok, c'est parti. Crash. Est-ce que t'as un problème ? Non, 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 c'est juste que... Comment on fait démarrer ? Appuie sur la touche Start. Je savais, ouais, ouais. Ça va. Bon, alors le but, c'est de courir vers la caméra. Courir vers la caméra, ok. Et la touche Cercle, là, c'est pour l'attaque tourbillon. Laisse pas le rocher te rattraper. Mais pourquoi il poursuit ce rocher ? Arrête de parler. Non, qu'est-ce qui s'est passé ? T'es tombé dans le trou. Ouais, je sais. Et comment je fais pour en sortir ? T'es mort. C'est vraiment pas réaliste. Moi, je les aurais escaladés, les parois. J'aurais dû apprendre l'escalade. Moi, ça m'a toujours aidé. Et la touche cercle, là, c'est pour l'attaque tourbillon. Allez, saute par dessus. Il n'a pas sauté assez loin. Comment je fais pour sauter plus loin ? Ta dernière vie, la gâche pas en parlotte. Je vais me gêner, tiens. Et la touche cercle, là, c'est pour l'attaque tourbillon. Thank you.
bon pas pour sauvegarder. Quoi? Ça s'arrête là? C'est ce que tu voulais? Attends, c'est une blague. J'avais presque gagné. Tu peux réessayer si tu veux. Allez, on fait quitte ou double. Ma voiture a vraiment besoin d'un gros nettoyage. Ouais. T'as vraiment l'intention de me réutiliser? Il y a un mode facile pour les gens comme toi et je viens de l'activer. Voilà. Ça devrait être plus c'est ça, vas-y, continue. Facile. Enfonce le couteau. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te préviens, qu'est-ce juste. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te préviens. Dans la vraie vie, de quoi t'es capable? Je vais te montrer. Montre-moi. Je vais te montrer. De quoi t'es capable? Qu'est-ce que tu dis ça? Hein? Hey, est-ce que t'es heureux? Mais oui, bien sûr. Et toi? Tu rigoles? Approche. On n'est pas encore ouvert. C'est fermé. Ah, c'est pas vrai. Ça va, c'est bon. Je viens vous ouvrir. Fais chier. Oui, je peux vous aider? J'espère bien. Je cherche mon petit frère. Il doit être aussi grand que vous. Un poil plus svelte et carrément moins grisonnant. Sam? Ça fait plaisir de te revoir, Nathan. J'en reviens pas, Sam! Oh, ça va, du calme, y a pas de quoi s'exciter. Comment? Enfin, je te croyais... Tu t'es fait tirer dessus. Ouais, et pas qu'un peu. Tu vois, c'était là. La vache. Les docteurs, ils m'ont... Enfin, docteur, ils m'ont un peu rafistolé, puis... Il m'a recollé au trou direct. Je veux bien, mais... J'ai cherché partout, j'ai passé un tas de coups de fil. Tout ce qu'on m'a raconté, tout ce que j'ai pu trouver, ça confirmait que t'étais mort. Ah, Nathan, on a buté un garde. Il voulait que je pourrisse dans cette cellule jusqu'à la fin de mes jours. Et j'ai bien failli. Mais c'est pas possible. Je te jure, si j'avais imaginé deux secondes, je serais venu sortir de là. Tu serais venu me sortir de là. Je le sais, Nathan. T'inquiète pas. Le plus important, c'est que j'ai réussi à m'en sortir. Ah bah alors, tu restes avec moi? Oui. Je vais sortir un peu. Tu vas quand même pas me claquer dans les pattes. Bah, je te garantis rien. Ça fait beaucoup à digérer d'un seul coup. Mais comment t'as pu t'en sortir? Et depuis quand t'es sorti? Et comment t'as atterri ici devant moi? Oh là, oh là, on se calme. Hein? On va s'asseoir. Parle-moi un peu de toi. De moi? Ouais. Tu veux savoir quoi? J'ai appelé de vieilles connaissances. Elles m'ont raconté des histoires de dingue sur toi. Ah bon? Quoi, par exemple? Tu t'es pris une balle. T'as été suspendu à un train au-dessus du vide dans l'Himalaya. Ouais, c'est vrai. C'est des histoires de dingue. Allez, raconte, dis-moi ce que j'ai raté. Si tu savais, Sam, par quoi je commence? Commence par le meilleur passage. Ok, tu te rappelles, on avait une théorie selon laquelle Sir Francis Drake aurait mis sa mort en scène? Oui, je vois. Eh ben, on avait raison. J'ai trouvé son cercueil. Il était au large du Panama? Ouais. Ouais. Attends, tu sais pas la meilleure? J'ouvre le cercueil, ouais. Et là je vois qu'il est vide. Mais, tout au fond, il y a son vieux journal. Tu te fous de moi? Qu'est-ce que je peux te dire? Une autre cité perdue a été détruite. Et on s'en est sorti vivant. À peu près. Vraiment pas croyable. Ouais, c'est vrai. J'aurais voulu que tu vois ça. Non, mais...